suis Simon Roussin, auteur de bande dessinée. Donc je fais des bandes dessinées avec les éditeurs 2024, les éditions Magnani ou Cornelius. Et j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg en illustration, après un parcours d'art appliqué et de graphisme. Et voilà, je suis sorti de l'école en 2011 et depuis je fais des livres. Shibalba, donc c'est le dernier livre paru, c'est un livre j'ai mis longtemps à mûrir. Le tout début de l'écriture, c'était il y a 3 ans à peu près. C'est un livre que je voulais inscrire dans une tradition un peu classique de la bande dessinée d'aventure exotique, façon franco-belge, enfin voilà, avec tous les codes du genre que ça implique, mais qui en fait, le long du livre, ce dispositif va de plus en plus lentement se détruire par lui-même, quoi. Et les archétypes, les personnages, le cadre de l'histoire va en fait complètement changer et se transformer. Ce qui m'inspire dans mon travail, c'est beaucoup le cinéma, mais j'ai beaucoup travaillé autour du cinéma, en reprenant des images d'acteurs, des scènes de films, mais aussi en fait dans la genèse même d'un livre de bande dessinée ou un livre illustré, dans la fabrication de l'histoire, de sa mise en scène, des personnages, j'ai beaucoup plus de références dans le cinéma cinématographique que finalement dans la bande dessinée même. La bande dessinée, j'ai des ancrages, j'essaye à chaque fois de trouver des échos avec ce qui a pu se faire avant moi dans l'histoire du médium. Mais pour tout ce qui est de la fabrication des histoires, le cinéma a une place très importante. Mon style, c'est un grand mot, je ne sais pas comment le... On dit souvent que je fais de la ligne claire, ce qui est un peu un terme galvaudé aujourd'hui, parce que ça veut tout et un peu rien dire, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les auteurs de la ligne claire, enfin des années 80, et puis Hergé, bien sûr, et voilà, tous ces anciens de BD classiques, du coup, mon trait est héritier de ça, sûrement, de ces lectures de bandes dessinées classiques, mais j'ai l'impression que d'album en album, il devient plus ouvert, moins cerné. Il devient un peu plus hybride, enfin, cette ligne. Et puis j'essaye à chaque fois de la transformer ou en tout cas de l'enrichir avec une mise en couleur qui met en valeur le dessin. Alors soit au feutre, où là la mise en couleur prend le pas sur la ligne, soit par exemple comme dans Shibalba ou comme Barthélémy, l'enfant sans âge, une bichromie souvent avec des tons directs qui en fait servent à épurer le plus possible le trait, le dessin, et rendre l'histoire la plus lisible possible pour qu'elle soit que le trait, le livre dans son habillage soit le plus sobre possible pour abriter une histoire qui peut partir dans tous les sens parce que justement ce dispositif-là épuré le permet. Quand je regarde des dessins ou quand je lis des livres de bande dessinée ou quand je dessine, je ne suis pas très attaché à la prouesse technique, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je peux être très amateur et reconnaître des virtuoses, enfin voilà, et être jaloux de virtuoses, mais j'ai l'impression, en tout cas dans la bande dessinée, qu'un bon dessin est un dessin qui est au service de l'histoire et que, en tout cas, dans les livres, le dessin et le texte forment une écriture et donc sont indissociables. Si le dessin nous fait sortir de l'histoire c'est pas réussi, en tout cas dans mes exigences, mais par contre, du coup, de vouloir, enfin de chercher qu'un dessin soit
au service du texte, et le texte au service du dessin, mais au service du récit, ça permet en fait d'apprécier ou d'alimenter une curiosité, j'ai l'impression, ou de pouvoir rentrer dans les livres où le dessin n'est pas forcément, on se dit, ah, c'est pas forcément ma tasse de thé, enfin voilà, c'est loin de mon travail, c'est loin de mon dessin, mais en fait, c'est le déploiement du récit qui fait que finalement, on accepte, si on accepte ce dessin, même s'il est très éloigné de nous, ça veut dire qu'il fonctionne.